Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Donc on va commencer par les causes de la Seconde Guerre mondiale et se demander et réfléchir ensemble à pourquoi est-ce qu'il y a eu une Deuxième Guerre mondiale. Alors déjà, si on dit Deuxième Guerre mondiale, c'est parce qu'il y en a une première que vous avez dû étudier l'an dernier, et la deuxième est la conséquence directe du fait qu'on n'ait pas réussi à faire une paix acceptable pour les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Alors on va d'abord se concentrer sur ce qui se passe en Europe, et ensuite on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté du monde, en Asie. Pour l'Europe, la Seconde Guerre mondiale donc, débute le 1er septembre 1939 quand l'Allemagne envahit la Pologne. Pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons. Première chose, donc, l'Allemagne, qui a été vaincue en 1918, en 1919 doit signer le traité de Versailles, qui est un traité punitif qui rend l'Allemagne responsable de la Première Guerre mondiale et qui lui retire beaucoup de choses, dont notamment son armée et beaucoup de territoires, l'Alsace-Lorraine du côté des Français, et alors la Pologne est recréée hein, avec un gros bout de territoire allemand et un bout de territoire russe, donc l'Allemagne est coupée en deux, vous avez la partie continentale de l'Allemagne qui comprend une partie de la Pologne actuelle que l'Allemagne perd à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et la Prusse orientale, aujourd'hui c'est la petite enclave de Kaliningrad, Königsberg en allemand. Quand Hitler va arriver au pouvoir en 1933, alors on a déjà vu hein, qu'une des causes de l'accession du pouvoir d'Hitler, c'est la crise économique, et ce qui va également porter Hitler au pouvoir, c'est un programme politique, et dans ce programme politique, il y a le réarmement de l'Allemagne et la reconquête des territoires qui ont été perdus à cause du traité de Versailles. Alors, ces deux choses-là, c'est quelque chose qui va être mis en œuvre dès l'accession du pouvoir par les nazis. Les nazis vont relancer l'industrie de guerre allemande, ils vont recréer... alors la Reichswehr, c'est le nom de l'armée jusqu'au moment où les nazis prennent le pouvoir, et au moment où les nazis prennent le pouvoir, l'armée va se rebaptiser Wehrmacht. Et ils vont enrôler de plus en plus de soldats, et ils vont produire de plus en plus de matériel de guerre, des chars, des avions, dans le but de faire la guerre, parce que les nazis ne cachent pas que l'objectif est de faire la guerre pour conquérir des territoires à l'est. Drang nach Osten, la poussée vers l'Est en français, c'est le fait que les nazis considèrent que les Allemands ont droit à des ressources qui sont situées vers l'Est. Donc ils n'en font pas mystère, ils préparent la guerre. Et au moment où ils préparent la guerre, ce qui va donc directement amener la guerre, hein, c'est tout simplement cette volonté de la part des nazis de conquérir des territoires. Et alors concrètement, hein, ils vont procéder par étapes. Il va y avoir la remilitarisation de la Rhénanie, où la France ne va pas réagir, alors que pourtant c'était interdit par le traité de Versailles. En 1938, on a les accords de Munich, donc on est un an avant la guerre. Et à ce moment-là, les nazis vont, ont déjà annexé l'Autriche, et ils vont annexer un bout de la Tchécoslovaquie en disant qu'il y a des populations allemandes qui y vivent. La Tchécoslovaquie est un allié de la France et de la Grande-Bretagne. Mais lors des accords de Munich, les Français et les Britanniques vont lâcher la Tchécoslovaquie. Et vont choisir de laisser les Allemands envahir. Alors au début c'est un tiers, et puis en fait assez rapidement ça va être toute la Tchécoslovaquie. Et en voyant ça, en fait, Hitler va considérer que même si l'armée allemande n'est formellement pas prête à faire la guerre à la France, les Français sont suffisamment lâches, faibles de son point de vue en tout cas, pour se permettre d'envahir cette fois la Pologne. Et donc quand il envahit la Pologne, Hitler pense que il n'y aura pas de guerre, ça va se passer un peu comme à Munich, les Français et les Anglais vont dire c'est pas bien, et ça n'ira pas plus loin. Il va en plus s'allier avec Staline, qui est le dirigeant de l'Union soviétique, pour attaquer des deux côtés la Pologne, et pour être sûr de gagner assez rapidement. Sauf que, en fait, quand il attaque la Pologne en 1939, les Français et les Britanniques là vont considérer cette fois que ce n'est pas possible qu'il faut entrer en guerre. Donc la Seconde Guerre mondiale en Europe débute en 1939 quand les nazis, Hitler, envahit la Pologne. Et alors on verra dans la vidéo d'après, hein, mais dans l'immédiat, en fait, personne n'est prêt. Les Allemands envahissent la Pologne et ils vont attendre avant d'envahir la France. Et nous, les Français, on n'est pas prêts non plus, donc on attend, c'est la drôle de guerre. On verra ça après. Pour le côté asiatique, donc de l'autre côté du monde, hein, puisque la Seconde Guerre mondiale c'est une guerre mondiale, on a deux fronts, deux acteurs qui n'ont pas de stratégie coordonnée, hein, et ce qui fait le lien entre tout ça, c'est les États-Unis en fait. Mais c'est pas eux qui déclarent la guerre dans le côté pacifique. Dans le côté pacifique, on a le Japon, qui va être, alors du point de vue des alliés, le principal antagoniste, cette fois-ci. Alors pour la guerre côté pacifique, ça commence en 1937. Pourquoi ? Alors cette fois-ci, ça va être lié à la volonté du Japon de trouver des matières premières pour s'étendre. Le Japon, c'est un pays qui s'est industrialisé depuis l'ère Meiji, depuis le 19e siècle, où les Japonais vont s'apercevoir que les Européens ont un fonctionnement qui est plus performant, avec une armée plus performante, et qui vont tenter de se moderniser sur le modèle occidental pour résister aux puissances occidentales, et puis éventuellement contre-attaquer.
Alors ça fonctionne bien, hein, en 1919, en 1914, les Japonais vont s'allier dans le camp des Alliés, donc ils vont être dans le camp des vainqueurs, mais ils vont s'apercevoir qu'en fait ils récupèrent pas grand-chose de la défaite de l'Allemagne, déjà parce que l'Allemagne n'avait pas de colonies, et en plus parce que la France et la Grande-Bretagne n'ont aucune intention de laisser leurs colonies aux Japonais. Les Japonais vont donc chercher à faire leur propre colonie à eux, et ils vont conquérir la Corée et toute la partie de la Chine qui est à côté, ils vont faire un état qui s'appelle le Manchukuo, où ils vont mettre l'ancien empereur de Chine qui a été chassé par une révolution, et qui est un état fantoche, une marionnette, où les Japonais peuvent exploiter les ressources. Pourquoi? Parce qu'au Japon, il n'y a pas, enfin, quasiment pas de ressources naturelles. Du coup, ils ont besoin d'états qui soient comme des colonies, où ils peuvent puiser des ressources naturelles pour ensuite développer l'industrie japonaise. Alors, dans le même objectif, en 1937, ils vont envahir la Chine. 1937, c'est l'année du massacre de Nankin, ce qui est encore un point de tension entre la Chine et le Japon, puisque le Japon ne reconnaît pas ces massacres. C'est un massacre où il y a des centaines de milliers de morts. Hein. C'est un massacre très important. On ne sait pas exactement combien de personnes sont mortes, mais vraiment beaucoup. Et là, c'est le début de la guerre pour le côté pacifique. Hein, puisque si vous êtes un Japonais ou un Chinois, la Seconde Guerre mondiale, c'est de 1937 à 1945. Et ce qui va connecter, on va dire, le Japon à la Seconde Guerre mondiale, c'est le moment où ils vont attaquer les États-Unis et les colonies européennes, d'États qui ont été vaincus par les Allemands en 1940, mais ça on verra après. Mais en tout cas, ce qui est important, hein, si vous êtes un Chinois ou si vous êtes un Japonais, la guerre commence en 1937 par l'invasion japonaise des côtes de la Chine, invasion qui, du point de vue japonais, se passe bien, du point de vue chinois, se passe mal, puisque les Japonais vont très rapidement maîtriser tout le littoral chinois, mais ils vont pas réussir à aller plus loin que le littoral chinois. Voilà pour les origines de la Seconde Guerre mondiale.